impressionnant, Igor. Bah ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui il m'a fait vraiment plaisir. Bah, les autres fois aussi, mais là il a fait voir qu'il gazait. Ouais, et puis là, l'opposition était quand même très relevée à mon goût. Bah voilà, c'était un test et puis bon bah ça s'avérait concluant à ce niveau-là. Une jolie course aussi d'attente de ta part. Bah ouais, c'est un cheval qui a 500 mètres très vite, mais il faut pas aller devant. Il suit tous les trains, comme les bons chevaux. C'est l'un des meilleurs chevaux que tu as pu monter durant ta carrière. Tu en as monté quelques-uns de très très bons, mais celui-là, il doit faire partie du top 5. Bah oui, il fait partie du top 5. Quoi. La suite de son programme? Je peux pas vous dire, à mon avis, ça va être le meeting d'hiver. Thierry, je suppose que tu es un homme heureux. Oui, très content. Ouais. Ouais. Il fait la valeur que tu t'attendais? Bah, il nous impressionne à chaque fois parce qu'il n'a pas beaucoup de gains et on sent qu'il est sur la montante tout le temps, donc c'est de bon augure. Oui. Comment on fait pour le gérer? Parce qu'on a l'impression qu'il s'améliore à chaque course. C'est quoi la recette miracle? On l'a laissé venir jusque-là? Bah, il a peut-être eu la chance de partir beaucoup au galop dans sa vie attelé, et c'est ce qui fait sa force. Il est encore tout neuf, je pense. Et monté, il est plus maniable quand même. Attelé, il reste pas trop pratique quand même, il est tellement grand. Monté, il va au-dessus. Damien me disait tout le parcours, il suit tous les trains et puis il a beaucoup de vitesse. Et Damien, tu l'as super bien monté. Vraiment une course d'attente magnifique. Ouais, puis rapide, les gens étaient devant lui, donc une bonne course d'équipe. Ouais. Félicitations, bravo. Merci. Mathieu, super finish de Carlos. Bah, super, rien à dire, bah, tu pars un très très bon cheval. Il a mis du temps à se mettre en route, un peu plus que d'habitude, mais il fait sa course. Ouais, il confirme sa dernière valeur attelée. Ouais, il revient vraiment en net forme. C'est de bon augure pour la fin de l'année de 10 ans. En plus, l'avantage avec lui, c'est qu'on peut alterner les deux disciplines maintenant. Ouais, il aime bien monter, pas trop quand même. Qu'un coup à la surprise. Deux fois de suite, il aime moins, mais bon, quand il y en a des belles comme ça, il faut les courir et il nous fait plaisir. Seb, est-ce que c'est la fin pour Rapide de Belle? On arrête, ouais. Moi j'arrête de le courir. Donc après, Alex aussi, André veut l'arrêter aussi. On n'a pas la réponse d'Alex, mais on sent qu'on arrête, ouais. Tu t'attendais pas à le voir si mal courir aujourd'hui, je suppose que c'est pas possible. Bah, c'est de pire en pire, donc là vous m'arrêtez carrément, parce qu'autrement c'est pas terrible. À mon avis, il veut plus trop y aller. Voilà, après on a infiltré de partout, donc à mon avis c'est plutôt la tête, quoi, je pense. Ouais, parce que je suppose qu'à l'entraînement, il devait te montrer quelque chose pour le présenter dans ce prix de Londres. Ouais, il travaille comme avant. Quand même, quand il gagnait avant, il travaillait pas mieux que ça, donc voilà. Tu vas garder quoi comme souvenir de Rapide de Belle? Le plus beau souvenir pour toi, c'est les États-Unis, c'est cette Elite Club battue de si peu, c'est quoi? Bah, à vrai dire, c'est peut-être plutôt les défaites qu'on a eues au Canada, et puis Elite Club battue de rien, puis on a gagné la première épreuve. Donc c'est des bons souvenirs, ça. See you again.